Et c'est déjà l'heure de notre rendez-vous Faisons gagner la vie. Place aux enfants aujourd'hui à Tourine-Saint-Lambert. Jacqueline leur avait préparé une après-midi rien que pour eux. Et du côté d'Anderlecht, les amateurs de belles carrosseries en ont pris plein les yeux. Et certains avaient même fait le déplacement depuis l'étranger, s'il vous plaît. C'est une journée spécialement dédiée aux enfants qu'organisaient Jacqueline et ses bénévoles ce dimanche à Tourine-Saint-Lambert. Sa nièce a été touchée par la leucémie il y a quelques décennies, mais s'en est sortie. Mon frère jumeau, lui, qui est décédé en 2009, il l'a contracté à 34-35 ans. Donc, et il a fait 3 leucémies avant, malheureusement, de décéder. Malgré tout, les parents présents gardent espoir et même si c'était leur première fois, n'ont pas hésité à s'impliquer pour animer les ateliers et encouragent à faire de même. Je pense que c'est une cause assez importante et que si on a un peu de temps à donner, que c'est un plaisir comme moi j'aime, j'adore dessiner, j'adore les enfants, mais qui foncent et voilà. Ce rendez-vous a attiré au total une centaine d'enfants. Des dizaines de voitures tunées réunies sur le parking du Cora d'Anderlecht au profit du Télévis. Les participants viennent parfois de loin pour admirer les belles carrosseries, comme ce couple, originaire de France. Oui, c'est pour ça qu'on vient chaque année, avec plaisir et avec beaucoup de monde dans nos voitures, comme ça, tout le monde peut en profiter justement. Et ce qui est chouette, c'est que ça donne une autre image. En général, c'est très mal vu, mais je pense qu'ici, on rattrape un peu ce mal vu, et justement grâce à ça aussi, quoi. Donc ça marche dans les deux sens, ça fait plaisir encore plus. En tout, 1800 voitures sont exposées ici, sous l'œil bienveillant de plus d'une cinquantaine de bénévoles. Et l'idée est si venue quand j'étais avec mes enfants dans un hôpital, et il n'y avait pas de place, et on était dirigé vers un département où on traitait les enfants qui avaient le cancer. Et je peux vous dire que ça vous touche. Les bénévoles et les participants n'ont qu'un seul objectif, faire gagner la vie. La recherche a besoin de vous, alors n'hésitez pas à faire un don sur le site télévis.be. Si vous voulez donner tout en obtenant un objet d'exception, les enchères du Télévis sont en ligne depuis aujourd'hui et se termineront durant la soirée de clôture du 21 avril. Parmi les belles pièces, le ukulélé de Julien Doré, des magnums et Jéroboam de vin Rufus customisés par le designer fétiche des stars Richard Orlinski, Philippe Gueluc ou encore Franco Dragone. Bref, rendez-vous sur télévis.be pour enchérir. À demain, bye bye.